Nous avons un foie d'oie de Bretagne qui doit être ferme, qui doit être pas trop élastique et qu'il faut travailler le plus ferme possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser dehors trop longtemps avant de s'en servir. Je tranche donc deux tranches pas trop épaisses de façon à ce que pendant la cuisson la chaleur pénètre bien partout et que le foie ne fond pas parce que le foie d'oie est un élément très gras, comme tous les foies gras d'ailleurs. Ensuite, j'assaisonne mes tranches avant de les passer à la farine. Et je vais là les mettre dans un petit sautoir où j'ai mis un petit beurre blanc. Je les retourne, je les laisse 1 ou 2 minutes, je les retourne et je vais les débarrasser sur 2 assiettes. Ça va comme ça? Ensuite, j'ai réservé des grains de raisin que j'ai pelés un par un et je les fais revenir aussi dans un petit peu de beurre ou dans le reste de graisse des tranches de foie et je les dépose autour du. Avec la tranche de foie sur l'assiette. Et pour terminer, je fais une petite sauce à base de glace de viande. La glace de viande est un fond très très réduit, à base d'extrait de viande, d'os. Et je monte le tout au beurre après avoir assaisonné sel, poivre. Et je nappe. Et on envoie ça à nos chers clients.